Il fait toujours aussi chaud ici. Même en saison sèche, la moiteur équatoriale est omniprésente. Cela fait 15 ans que je ne suis pas revenu. Cayenne n'a pas changé. Mais qu'en est-il du reste de la Guyane? Et Suski? Que devient-il à l'aube de ses 90 ans? Lorsque je l'ai connu, j'étais un jeune pilote de brousse, et lui, un Shibani, comme l'on dit dans l'argot des aviateurs. J'ai tout de suite su que c'était un type étonnant du genre de ce que l'on trouve dans les romans de Blaise Cendrars. Mais Suski est un héros bien réel, et je suis fier qu'il m'ait accordé son amitié. Les dernières nouvelles n'étaient pas très bonnes. Son cœur défaillant allait à l'encontre de sa détermination à voler. Devenu pilote de ligne, je profite de ma première rotation sur Cayenne pour lui rendre visite. Mais je ne pense pas vraiment lui faire une surprise. On dit qu'en Guyane, tout se sait. Bonjour François. Tiens, c'est Thierry. Comment allez-vous? Eh bien, comme je peux. J'ai appris par tambour local que vous étiez arrivé. Vous savez que je suis pilote de ligne maintenant, je suis en escale. Vous êtes perdu avec votre avion ici. Voilà, je suis perdu, je suis venu passer quelques jours. Alors, vous êtes pilote de ligne, donc vous avez oublié de voler avec des petits avions. Non. Je n'ai toujours pas oublié, mais ça me rappelle des grands souvenirs et je suis très très content d'être là parce que la Guyane est restée dans le cœur. N'est-ce pas? Vous avez des infinis sans une habitation. Exactement. Et je me souviens des vols qu'on a fait ensemble, sur l'eau, sur la forêt. Ça, c'est les vols. Ça, c'est les vrais vols. Tandis que vos trucs volent au-dessus des nuages. Moi, je vole à 10 km maintenant. On voit rien. Sur des gros avions? Oui, même pas les nuages. Je les vois d'au-dessus. Donc, c'est pas mon style de voler. Hein. Parce que vous pilotez avec des boutons. Ben voilà. Oui, alors quand vous avez des ongles abîmés, vous le sentez pas, vous faites la faute. Puis l'avion s'écrase. Moi, quand je pilote, je le sens, je les touche à peine, je les caresse un peu et je ne les force pas, mais je les sens. Vous voyez? Moi, je suis très fin. Ben oui. The good pilot is a smooth pilot. Vous m'emmenez voler pour se rappeler du bon vieux temps. Ok, on va voler ensemble, mais à ma façon. Puis on essaiera de faire un joli vol sur le fleuve à 1 mètre de l'eau. D'habitude, je vois 1m20, mais on fera un effort. Je vous fais une concession de 20 cm. Ma première rencontre avec François Suski, c'était relativement simple, en fait. Quand je suis arrivé en Guyane, j'étais un petit pilote privé qui venait d'avoir sa licence quelques années auparavant, avec peu d'heures. Et je me suis inscrit à l'aéroclub à Cayenne pour pouvoir continuer à voler pendant mes loisirs, emmener mes amis et ma famille. Et puis, avec le temps qui passait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter un petit avion, celui d'un aéroclub de l'ouest de la Guyane. Et moi, j'ai rencontré François par hasard en allant voler. Lui volait pratiquement tous les jours sur Camopi, Saint-Élie, Saül. Et moi, je faisais des vols d'agrément et je montais des heures pour passer plus tard une licence de pilote professionnel aux États-Unis. On a commencé par sympathiser. Alors moi, j'étais un petit homme et lui un grand homme. Et puis, il est arrivé plusieurs fois par la suite qu'il ne puisse pas répondre à tous les engagements qui lui étaient demandés. Et il m'a demandé si je pouvais le remplacer sur certaines petites choses. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller à Saül, Camopi, délivrer des produits aux Indiens. Je suis allé à Wanari. Et donc c'était extraordinaire. Je découvrais une autre façon de voler. Donc il m'a donné de la confiance, il m'a transmis de l'amitié. Et cette amitié est restée. On est toujours resté en contact pendant toutes ces années. Ça fait 20 ans maintenant qu'on se connaît.
Le premier contact avec François Suski, c'est très très particulier. Ça peut être choquant parfois par les mots, mais c'est quelqu'un qui a du cœur. Donc c'est un spécialiste de la provocation, c'est un séducteur. François, c'est un séducteur. Il a 88 ans et il a toujours un petit sourire, un petit regard. Il n'a pas changé. François, come in. Bonjour, François. Heureusement que c'est vous. Ça va bien? Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est quelqu'un d'autre qui vient jouer le foot dehors. Ils t'ont gardé ici? T'es toujours ici? Quoi? Dans cet appartement? C'est à moi, non? Bah oui, je sais. Alors voyons. Les tableaux depuis sont magnifiques. Depuis le temps que j'habite là, c'est automatiquement à moi. Avant, ils n'étaient pas accrochés au mur. Et sur lequel as-tu travaillé là dernièrement? Cinq minutes sur un mois sur aucun, et ainsi de suite. Ça dépend des idées que j'ai. Moi, ouais. c'est pas la Rochuski mon favori, c'est celui-ci là. Non, j'ai toujours aimé celui-là. C'est la fantaisie. Ouais. Et. Dis-moi celui-ci là-bas. Oui, c'est Anaïm. Et tout le monde l'appelle Mimisiku. Et je viens faire cadeau à Verkuta, une ville sibérienne très au nord, où les gens souffrent de froid. Ils vont apprécier qu'il y a des endroits sur la terre où on peut marcher nu toute l'année. Alors, vous voyez ces tableaux-là, disons 20, 30 ans. J'ai fait l'exposition à Besançon. Alors, on me demande, tu les vends? Je dis, 7 000. Elle dit carrément, 7-8 000, je les mets. Mais moi, j'ai besoin de faire encore l'exposition, donc je ne les donne pas. Je n'ai pas besoin 1 000 euros, je les ai. Et je n'ai pas besoin d'une voiture non plus. J'ai besoin d'un avion. Je suis pour l'aviation libre. On peut décoller d'où on veut et aller où on veut. Avec moi, les avions volent tout seuls. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi le Mermoz de la Guyane, donc t'as rien à faire de spécial, hein? Oui, j'étais aussi le premier à larguer les parachutistes. Oui. Mais maintenant, je n'ai pas le droit. Et sans parachute sur l'Oyapock aussi? Aussi, mais avec les PA-18. Oui, parce que ça va moins vite. Les types, ils ont survécu, les Garines Perron? Ils ont vu que c'est plus facile de sauter de l'avion, oui, que de marcher à pied et puis en canot à travers. Donc, on choisit. T'en as largué combien, les Garines Perron, sans parachute? C'est l'air à faire, non? Oui. Je ne regarde pas derrière. Oui, surtout qu'ils ne se plaindront peut-être pas tous non plus. Je vais défendre jusqu'au bout les droits à tout le monde de prendre les risques. Ouais. Les autres n'ont pas à se mêler et dire que c'est dangereux. C'est eux qui doivent savoir. Oui. Cette photo où on te voit bien, là, t'avais quel âge là sur cette photo? 20 ans. Et là, t'étais pilote de char? Non, ils ne voulaient pas de moi. Pourquoi? Parce que j'étais indiscipliné. Alors là, c'était quoi, là? Je pilotais les Ilyushin 2. C'est ton premier avion, les Ilyushin 2? Et l'attaque au sol. Attaque au sol? L'équivalent des Stuka? Non, ils étaient meilleurs, les Stuka. C'était démodé. Les Allemands appelaient la mort noire. C'était l'armée rouge? C'était bien. C'était bien? Pour moi, oui. Pourquoi? J'étais du côté du vainqueur. Ah ben oui. On vous sent un petit accent. On comprend que vous êtes d'une origine indéterminée, exotique. C'est un pays plus ou moins artificiel. Ça a changé les noms. Mais actuellement, ça s'appelle la République tchèque. Comment vous avez atterri en Guyane, si l'expression est correcte, enfin? Je me trouvais mal en Europe. Vous voyez, donc je suis parti en Amérique du Sud.
Je restais à Rio de Janeiro pendant un an. Je partais au Canada. Je faisais l'escale à Cayenne depuis ce temps-là. Je suis ici, vous voyez. Ça fait bientôt demi-siècle. Et pourquoi vous ne vous sentiez pas bien dans cette région d'Europe? Je n'aime pas les pays qui sont surpeuplés. Surpeuplés? Oui, quand il y a plus de 10 personnes au kilomètre carré, ce n'est pas pour moi. Et là, vous êtes servi, là? Voilà. Est-ce que tous les Suisses qui se ressemblent? Ah non. Non? Non, je suis unique. Vous êtes unique, hein? Oui. Alors, comme pilote aussi, apparemment, vous êtes unique. Est-ce que certains ont cherché à suivre votre voie? On vous dit pilote fou, on vous dit prêt à prendre tous les risques. Est-ce que c'est la vérité? Non, mais personne ne veut me succéder. Personne? Ils ont raison. Pour quelles raisons ils ont raison? Voilà, vous voyez, c'est un... c'est une vocation, disons. C'est plus qu'une vocation. Vous voyez, le plus grand plaisir pour moi, c'est piloter. Je domine la forêt, vous voyez, je domine tout. Et c'est un défi. Donc les autres, ceux qui veulent le faire uniquement pour l'argent, eh bien, ils ont un handicap par rapport à moi. Et votre avion, il est comme vous? C'est grosso modo mon sixième avion. On a dit déjà il y a 20 ans que c'était une poubelle volante. On ne veut pas me le voler, je peux laisser la clé, la personne le prend parce qu'il se cassera la gueule avec. Hein. Donc voilà. Donc, il vole avec moi et j'ai ses défauts, il a les miens. Vous voyez, on s'entend bien. Nouveau 65, Lorque 07 et Cayenne 16, rappelé passant à la Brogue 374. Alors, India Charlie, tu te rappelles de tes approches, travers tour? Bien sûr. Je me rappelle bien, tu es arrivé carrément bien à travers sûr, tour. C'est plus court. Pour te poser. Je n'avais pas besoin d'avoir tout. Tout le monde dégageait quand tu arrivais. J'ai pas besoin de tout ça. Je peux me poser juste ici devant la tour. Et pas baver dans le micro tout le temps, parce que je n'aurai pas le temps d'écouter et de répondre, surtout des choses que je n'aime pas entendre. Bon, donc, je dois regarder dehors, comme un chauffeur de voiture, non, pour voir ce qu'il y a devant moi. Et non pas écouter là, « Say again, please ». Quoi, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il peut me dire d'autre que d'utiliser la 08? Pour moi, c'est efficace. Quoi. En deux minutes, il avait dégagé. Donc même dans notre trafic, moi, je pouvais l'intégrer. Et son côté hors norme, pour moi, c'est pas de la folie. C'est pas quelque chose, un pilote qui fait n'importe quoi. C'est un pilote doué, super doué. On a frôlé le crash, je le dis maintenant, avec François, dans les montagnes de sa hulle, là, parce qu'il faisait un peu de slalom dans les Denzelberg, là. Et puis, à un moment donné, il allait pratiquement plaquer sur la paroi rocheuse. Je l'ai vu mettre trois crans de volet pour sortir du truc. Et un autre pilote n'aurait pas eu la même réaction. Et François, quand il arrive au-dessus, troisième cran de volet, on tombe derrière, il dit « Putain, mais c'était juste, quoi ». Mais c'est ça, François, quoi. Et moi, jusqu'à son âge, là maintenant, je partirai n'importe où avec lui. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a ça dans le sang. On dit, il n'y a pas de bons pilotes, il y a de vieux pilotes. Donc, tu as un exemple. Non, c'est le bon avion, le bon pilote. Il y a vieux pilote qui est bon pilote. Les bons pilotes, ça n'existe pas. Oui. Tu es le grand, là, où est-il? Lequel? Voilà, pilote de ligne. Il pilote bien. Mais... son avion, slalom en paix. J'aurais le devoir, l'avion qui slalom. Ouais. T'as la ligne sous les roues. Et la ligne reste sous les roues. Hein. Et surtout, avant de lâcher les tours, où la ligne est bien. Et quand il est bien aligné, tu accélères. J'aurais tant désiré emmener François à Camopi, Saül ou Maripasoula. Mais les longues distances lui sont maintenant pesantes. Alors, avec ses souvenirs en guise de bagage, j'ai décidé de partir seul sur ses traces. Je prends un cap au 310, en direction de Saint-Laurent-du-Maroni, où m'attend Jean-Louis Chéniaud, pilote et ami de longue date de François Suski. Nous nous sommes donné rendez-vous sur les berges du Maroni, frontière naturelle entre la France et le Suriname.
Quand il venait ici, tu as des anecdotes que tu as conservées à son sujet ? Oui, une qui n'est pas amusante du tout, là. Ça remonte à 2005. Il arrivait de Maripasoula avec des personnes qui ramenaient de là-bas. Et tout le long de la route, il y avait des orages en pagaille. Ce qui fait qu'il s'est posé, il était blanc comme un cachet d'aspirine. Et puis, moi j'étais au hangar, il est venu me voir en me demandant, Jean-Louis, je comprends pas ce qui a pu se passer. Je lui dis, moi, j'ai déjà vu le cas il y a quelques années sur Rochambeau. Tu as un filtre à air qui est placé à l'avant, qui n'est pas protégé, donc tu as pris beaucoup d'eau à l'intérieur, ça a obturé. Et le mélanger à essence se faisant mal, ton moteur a commencé à bafouiller. Et c'est là qu'il me dit, mais oui, j'étais prêt à me poser dans les moukou-moukou là, au bord de la rivière, parce que ça allait vraiment mal. Et puis le moteur est reparti. J'ai dit, mais il y a toujours de la chance pour les vieux, hein. ça se passe toujours bien. Donc en fait, c'était la fois où il a failli ne pas atterrir normalement, quoi. Exactement, c'est une des seules fois. Ouais. Ça fait 36 ans que je le connais. C'est vraiment ce qu'on appelle le pilote de brousse. Donc il a toujours été très sain dans la tête, ouais. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Donc à aucun moment il y avait du danger pour les personnes qui l'emmenaient, hein. ni pour le matériel. Donc ça s'est toujours très bien passé. Oui, parce qu'il a une caractéristique quand même, il est comme un pigeon voyageur. En fait, il reconnaît les collines, il reconnaît finalement presque les arbres. C'est pas un pilote de ligne, c'est-à-dire qu'il ne prend pas un niveau de vol et puis qu'il se balade à l'intérieur. Lui, tant qu'il est au-dessus des collines, il ne se sent pas bien. Et dès qu'il est au niveau, il reconnaît toutes les formes de collines. La Guyane, il la connaissait par cœur. Donc il pouvait t'emmener n'importe quel point, aussi bien site d'orpaillage, n'importe quoi. Oui. Tout était reconnaissable pour lui. Je connais la Guyane mieux que n'importe qui. Parce que je ne vole pas à 4000 mètres, vous voyez, je vole en bas. Je connais des pierres, je connais des cheminées d'usines, vous voyez, qui existaient ici à l'époque, et personne ne s'ouvrait. Je connais les grottes. Et puis, les saisons où les arbres fleurissent. Et quelquefois, vous avez des arbres qui fleurissent tous les 10 ans seulement. Eh bien, il y a toujours, à chaque vol, je découvre quelque chose de nouveau. Cela fait des mois que François rêvait de retrouver son Cessna. Il a changé de main et d'immatriculation, mais il reste toujours son avion. Le nouveau propriétaire a accepté d'emblée cette rencontre entre le pilote et sa machine. Voilà l'avion le plus utile qui n'a jamais existé en Guyane. Mais t'as vu, ils ont changé l'immatriculation. Mais je sais. Alors, jeune homme. Oui. Alors, François. Il me donne la clé, non ? Ah ben, tu pars pas avec. Tiens, donne-moi la clé. Attends, je regarde si c'est ouvert. S'il y a assez d'essence. Hein. Eh bien, touchez pas. Hein. Alors. Bravo. Alors, il ne faut pas faire semblant qu'on m'aide, non ? Et il n'y a pas les machins ici ? Le sol est plein dans la gueule. Qu'est-ce que vous avez ajouté là ? C'est pas comme ça. Il n'y a jamais le truc bleu. Oui, il est comme neuf. Voilà, vous atterrissez sur place. Comme ça. Non, pas de problème. Je décolle du premier coup. Eh bien, on y va. Ah, il a confisqué les clés. Mais je suis aussi dans notre avion. C'est un moment historique.
Mais ils ont confisqué la clé, donc je ne peux pas décoller. Sinon, je serais allé te voir là. Bon, marchez bien. Une bonne nouvelle. Allez, à la prochaine. J'ai voulu appeler ma fille pour lui dire que j'arrive. Et voilà, monsieur. Ça, c'est le meilleur avion. Il est comme neuf. C'est mon septième avion, mais le plus utile. Partout où je travaillais dans la brousse, j'étais entraîné de l'électro public pendant 25 ans. Il était à côté de moi. Et j'ai passé des centaines de nuits dans cet avion. Et vous savez, les serpents, ils cherchent toujours les trous. Et ils entraient par ici, ils allaient juste sous mes pieds. Oui, alors, il valait mieux avoir les pantalons avec une pince à linge, vous voyez. On a dit que quand vous transportiez parfois des Amérindiens dans les villages où vous ne pouviez pas vous poser, ils sautaient dans l'eau. C'était plutôt des Brésiliens. Alors, les types s'asseyaient sur la roue, et quand je volais assez bas, 1,20 m, ne pas se faire prendre ici. Avec les pattes. Alors il y a le temps de disparaître en bas. Si je vole trop bas, disons à 20 cm, il se prend ici. Alors j'ai compté 1,20 m. C'est rien. Puis quand vous faites les skis nautiques, vous tombez plus vite que ça, non? Il y a beaucoup de choses qui ont été changées dessus. Hein. Oui, le tuyau d'échappement, il était au moins renouvelé. Parce que, tu vois, moi, j'ai amené les steaks. À cuire sur l'échappement. Puis je l'ai mis dans le tuyau d'échappement pour le faire cuire quand j'arrêtais le moteur. C'est neuf, ça, non? Ça, c'était refait. Ça, c'était coupé. Eh bien, le casse pas. Soigne-le bien, puis on verra ces jours-ci. Et là, vous voulez revoler? Bien sûr. Il décollera tout seul avec moi. Et il atterrira... La vie ne vaut rien sans aventure. Avec l'avion, vous mettez la vie pleine. L'avion, c'est la vie. Mais avec la liberté, parce que l'avion, ça doit représenter la liberté et non pas la bureaucratie. Voilà.
Saint-Élie est l'une des dernières communes enclavées de Guyane, enserrée dans une vallée en plein cœur de la forêt. Pourtant ici, des centaines de tonnes d'or y ont été extraites. Il n'y a pas si longtemps encore, seul le fleuve et la piste permettaient d'y accéder. Une journée de pirogue de Sinamari, puis un jour de marche à pied à travers la forêt sur une piste de 47 km. Alors, un homme, ancien pilote de l'armée tchécoslovaque, François Souski, qui réside en Guyane depuis 40 ans, découvre Saint-Élie et se passionne pour ce pays. Avec son Cessna, il ravitaille la commune à la demande. Il a construit lui-même une piste d'atterrissage de 250 mètres et c'est avec une maestria hors du commun qu'il pose son avion parfois chargé de 500 kilos. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas vivre pendant des années isolés. Il faut un certain contact. J'apporte des petites choses, vous voyez, si ce n'était que les médicaments, vous voyez, ou des petites bricoles, des cigarettes. Il y a plein de petites choses qu'il faut amener, les couches pour les gosses, les thés pour les Anglais, parce qu'il y en a beaucoup ici, ils ne peuvent pas vivre sans les thés. Et quand ils sont à Cayenne, ils oublient, alors ils deviennent moisis, n'est-ce pas? Sauf alcool. Ah, l'alcool, j'amène jamais, hein. Ça, jamais, systématiquement, jamais. Parce que sinon, ça fait le désordre ici. Hein. François Souski n'est pas seulement transporteur. Il est l'ami de tous les gens du village. Il leur parle dans leur langue, en créole avec les Haïtiens, en portugais avec les Brésiliens. Un homme cultivé qui connaît aussi toute l'histoire de l'or de Saint-Élie. Les grandes exploitations salissent pour longtemps. Vous voyez ici, dans la vallée, c'est les dépôts de la boue mousseuse qui sont là depuis plus de 50 ans. Par contre, les petits orfailleurs, ils font les trous d'une grosseur qui permet d'écoper de l'eau, voyez, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop grands. Dès que le trou devient trop grand, ils ne sont plus en mesure d'écoper, donc ils sont obligés de changer l'emplacement. Donc la forêt repousse à nouveau, au bout de quelques semaines, quelques mois, l'endroit est repris par la brousse. Donc ici, vous voyez, ce n'est pas repris, ça mettra du temps à repousser, peut-être des siècles. J'étais entrepreneur des travaux publics. J'ai fait la plupart des châteaux d'eau, des ponceaux, bétonné les rues, construit les écoles. Tout ça avec votre avion ? Et j'avais besoin de mon avion pour ça. Ah, mais ce n'est pas dans toutes les communes qu'on pouvait atterrir facilement. Alors comment vous faisiez pour transporter le matériel ? Eh bien, je larguais. Vous larguiez, par exemple, les blocs sanitaires, vous les larguiez ? Les blocs sanitaires, peut-être non, mais ouais. Ciment, je larguais. Bien emballé, je larguais sur le terrain de football. Tous les ravitaillements, ça passe par les airs. Ils faisaient les feux. On n'avait pas GPS à l'époque. Puis il fallait trouver là, puis les rejeter, les ravitaillements. Y compris, on jetait les haches. Et ça tombait tout près d'eux, vous voyez, parce que si ça tombe à 50 mètres, ils ne le trouvent pas. Bien sûr, donc il fallait que ça tombe à 1 mètre 2. Oui, et sans le recevoir sous la tête. Vous voyez, c'est simple. On n'a pas besoin des règlements de sécurité, vous voyez, des trucs comme ça. Alors le château d'eau qui est derrière moi témoigne justement du passage de notre fameux François Souski qui a aussi marqué donc la vie du village d'Awara à l'époque, devenu aujourd'hui commune d'Awala Yalimapo puisqu'il a œuvré justement pour la construction donc de ce château d'eau qui desservait en eau potable le village de l'époque. Ce qu'on peut dire par rapport à Souski François, on le connaît plus par rapport à son entreprise de travaux publics, mais également donc Souski François l'aviateur avec ses exploits. Et il y a une légende qui dit que quand Souski arrivait avec son avion au-dessus de Kamopi, les enfants étaient relativement fiers parce que ça y est, ils balançaient des sacs de baguettes, mais également donc le courrier qui arrivait, puisqu'il était donc un sous-traitant, on va dire ça comme ça, de l'administration postale à l'époque. Voilà un peu ce qu'on a comme fait vécu par Souski et ce qu'il a fait vivre aussi par la même occasion donc aux Amérindiens du Haut-Oyapock, basés essentiellement donc dans le bourg de Kamopi et à Trois-Sauts.
C'est bon? Complètement, c'est le côté sur plein. Mais je ferme un réservoir. Depuis ce temps-là, on a construit 3 aéroports à Saint-Georges. Puis chaque fois, 2 ou 3 fois plus cher que celui-là. Bah, tout naturellement. Quoi. Oui, tout naturellement. C'est le gros problème d'ici, ça. Regarde là, le système de construction. T'as vu les poutres? Regarde les chiens en bois. Puis ça n'a pas bougé. Hein. Tiens, les aglots en bois. T'as vu? Et en relief, pour avoir les dessins des ailes. Regarde ça. T'as vu? Le truc aéronautique. On aurait dit le profil d'un Cessna, hein, c'est vrai. Ah oui? Il manque que les dessins. C'est exprès. Hein. T'as vu? C'est pas beau? Allez, ça c'est beau. Camopi. J'ai fait 2 pistes d'aviation et la deuxième était bétonnée dernièrement. On a fait un appontement flottant avec beaucoup d'aluminium, mais les gens se posent carrément sur la plage de sable. Oui, c'est plus pratique. J'ai construit la boulangerie, j'ai construit la mairie, j'ai construit l'école qui est là-haut et la prise d'eau et le château d'eau. J'aime Camopi. Cette commune amérindienne, territoire Teco et Wayampi, s'étend sur plus de 10 000 km². Il me semble encore entendre les cris des enfants accompagnant l'arrivée de l'avion blanc et rouge. Dans certains villages, les veilles de Noël, le Cessna de Suski se transformait en traîneau, amenant les jouets aux jeunes Amérindiens. Camopi a tenu à rendre hommage au pilote en le faisant citoyen d'honneur. C'est avec regret que je quitte le bourg pour me rendre à Saint-Georges de l'Oyapock. 6 heures de pirogue pour descendre un fleuve souvent tourmenté, ponctué de nombreux rapides que l'on appelle ici des sauts. Mon avion attendra. À Saint-Georges, il n'y a plus que les ibis verts et les urubus qui se posent sur la piste. Ici, c'était une ligne. C'était Cayenne-Saint-Georges. C'était fait des dizaines de fois par jour par les petits avions, les avions d'Air Guyane, de la GAS. C'était la destination des pilotes privés. Donc c'était un bel endroit où venir passer le week-end. Souvent, j'ai rencontré des gens qui venaient simplement manger au restaurant. Chez Modestine, prends l'avion, on va manger au restaurant, on revient. 40 minutes, 45 minutes de Cayenne. Voilà, maintenant, c'est plus possible. Trop d'enfants, trop de gens qui traversent. Alors que c'était un des plus beaux endroits de la Guyane où venir. Elle a été comme abandonnée.
Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes Modestine? Oui. Ah, enchanté, je suis Thierry Boulet. Oui. Je suis un ami de François. Est-ce que vous voulez bien parler avec moi quelques instants? D'accord. Il a travaillé beaucoup ici, hein. Oui. Il a fait des constructions, il a fait les rues de Saint-Georges. Il rendait service à tout le monde. Il venait avec son avion, il rendait service à tout le monde. Une fois que je suis parti avec lui, on était obligé de rester à Regina parce que le temps était trop mauvais. On ne voyait rien du tout. J'ai vu qu'il volait, qu'il regardait, un peu partout. Si l'avion touche un arbre, on tombe. Il m'a dit non, t'en fais pas, je serai à Regina. Je vais atterrir à Regina et puis on va attendre que le temps. Ah, j'avais peur en ce moment. Hein. Ah oui. Mais c'est un très beau pilote, hein, un très très bon pilote. Ce qu'il a fait, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui ne le feront pas. Hein. Ouais, les peintures de François Souski, c'est lui qui a fait tout ça. Comme il aimait la nature, il prenait des feuilles, il faisait sa peinture très bien. C'est très joli, hein, ça respecte son style sur ses tableaux, oui. C'est du point et il y a beaucoup de verre. Il faut dire aussi que Souski, il connaît bien la Guyane. Et que la Guyane plus que moi, je pense. Avec son avion, il allait partout, volait partout, très bas. Ben oui, il a retranscrit ça sur ses tableaux. Il nous a dit aussi que ses tableaux n'étaient jamais finis. Comme c'est quelqu'un qui aime bien que tout soit fait bien, oui. Alors donc il refait ses tableaux tous les jours. C'est un perfectionniste. Oui, c'est ça. Il peint comme il volait. Ah, c'est ça. C'est les compléments, si vous voulez, de l'aviation. Parce que je vole la verdure, puis je suis en action, puis après, quand je suis au repos forcé, par exemple au chômage technique, parce qu'il n'y a pas d'essence, par exemple, où il n'y a rien à faire, donc je fais la peinture. C'est plutôt impressionniste. À ma façon, bien sûr, parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement, impressionnisme. Vous allez peindre encore longtemps? Oui, si je ne vais pas faire autre chose, je vais faire la peinture jusqu'au bout. Dans le bassin du Haut-Maroni, à 50 km au nord du point de trijonction France-Brésil-Suriname, un Inselberg à la forme étrange domine la jungle amazonienne. Depuis 1996, Mamilipan est surnommée Roche Suski.
C'est François Souski, que tout le monde connaît, en Guyane, qui est un pilote émérite et qui survole la Guyane en long, en large, et qui est allé sur cet Iselberg plusieurs fois, qui l'a survolé, qui l'a photographié, et qui en est un petit peu tombé amoureux, disons. Et il ne voulait pas quitter la Guyane sans avoir foulé de ses pieds l'Iselberg. Donc il a monté une expédition avec des Amérindiens d'Antécoum et ils sont partis par le Litani et ensuite à pied, ils sont arrivés et ils ont découvert ces peintures. Les Indiens, ils avaient une sorte d'appréhension. Ils m'ont dit, on n'y va pas aujourd'hui parce que ta roche, elle est maudite. N'importe quoi. Mais en approchant, à 30 mètres, vous ne la voyez pas. Parce qu'il y a la végétation de transition, vous voyez, qui est très épaisse. Donc, seulement quand on est arrivé sur la partie bien dégagée, on réalise l'amplitude. Et c'était magnifique. Vous dominez la forêt autour. Et vous avez la confirmation que la roche a servi fatalement à des activités qui étaient en dehors des besoins de jour au jour. Cette peinture rupestre, c'est la première fois qu'on en trouve sur le plateau des Guyanes. Comme les roches gravées, comme les alignements de pierres, les archéologues les attribuent aux Amérindiens de l'époque précolombienne. C'était aussi un des grands moments, vous voyez, de trouver un message d'antan. Et je pense que les gens des tribus, ça les a impressionnés aussi. Peut-être pas dans le même sens. Mais ça a une signification plus profonde pour eux, parce que c'est leur patrimoine. Vingt minutes de pirogue séparent Saint-Georges de la ville d'Oyapock au Brésil. Il y a bien le pont, le premier à relier par voie routière la France au Brésil. Mais depuis la fin des travaux en 2011, il attend d'être inauguré. Du côté brésilien, la route est toujours en chantier. Je vais rencontrer Rona, grand ami de Suski. Son restaurant et ses carbets sont le point de ralliement connu de tous les voyageurs qui franchissent le grand fleuve. Boa noite, Rona. Boa noite. E é pas mal, tem des anedotas sobre Suski. E surtout que Suski, c'est une légende qui se mélange avec la réalité. Tu comprends? Oui. Il venait souvent chez moi, oui. Et tous les jeudi presque. À chaque fois où je savais qu'il arrivait, bon, il n'allait pas me téléphoner. Oui. Il passait tellement bas, oui. Une fois. La deuxième, normalement la deuxième fois, il jetait ses commandes par la fenêtre. Dans sa partie qui flottait. D'accord. Sur le fleuve. Il m'a avec une petite pirogue, j'ai cherché son commande. Et quand les passagers ont fait le repas, il y aura 4 ou 5 passagers affamés dans l'avion. J'arrive. Donc c'était le livreur du jeudi. Le livreur du jeudi. J'ai volé avec lui un peu, de Saint-Georges, Camopi, tout ça. Le dernier vol que j'ai fait avec lui, on volait tellement bas. Et Mon appareil photo est tellement de vitesse, et j'ai pas les soucis. C'est impossible parce qu'on vole plus bas que les arbres. Ben oui. On volait plus bas que le canopé des arbres. Oui, son plaisir c'était de faire baisser la tête des piroguiers. Oui, il passait tellement bas qu'il touchait la roue sur le. Modestine nous a dit la même chose aujourd'hui.
Sur l'eau? Sous l'eau. Pour laver l'avion. Vous faites du nettoyage de roues dans les rivières. Mmh. Et vous continuez à le faire, quoi. Mais je décolle et les roues ne tournent pas. Vous voyez, il y a tellement de boue liquide, mais il y a la façon de le faire, pour ne pas faire les chevaux de bois. Hein. Parce que moi, je joue mon capital que je vais faire si je perds l'avion. C'est tout ce que vous avez, l'avion? Vous n'avez aucune autre forme de richesse matérielle, je veux dire. Je suis interdit des chéquiers, ça vous dit tout. Déjà, je n'ai pas la carte bancaire. J'ai beaucoup de dettes, mais bon, je ne me plains pas. Je ne changerai pas avec les plus riches du monde parce que je trouve leur vie très ennuyeuse. Ben là, aujourd'hui, on est dans un lieu chargé d'histoire parce que il y a quelques dizaines et dizaines d'années, il y avait quand même pas mal de monde derrière les grilles ici. Tu imagines, hein, à l'époque, je serais venu apporter des oranges à François avec ses façons de voler. Hein. L'administration n'était pas très copine avec lui, hein, à cette époque-là. En fait, ils ont laissé quand même passer pas mal de choses parce que c'était plus un corsaire. Un corsaire, un pilote qui rendait service plus qu'un gangster. Donc, il a toujours essayé d'aider tout le monde. C'est un rebelle, un vrai rebelle en fait. Un rebelle à l'autorité. Non, il était épris de liberté, il était dans son cocon, et puis il aimait voler comme ça, il n'aimait pas être embêté par la radio, il aimait les challenges, et puis il allait jusqu'au bout. C'est toujours un superbe bonhomme. Dans ce métier qui est difficile, pilote de brousse, il n'y a personne pour vous applaudir, vous n'avez pas d'uniforme, il n'y a pas d'hôtesse, il n'y a rien. Ça peut être ingrat, on ne vous regarde pas, mais c'est un métier où lui, il l'a fait avec son cœur, ses tripes, il a fait du service public, parce que partout il est intervenu. Il a contribué à désenclaver beaucoup d'endroits en Guyane, à construire, à aider des tribus, à aider des gens. Et je répète à chaque fois, c'est comme pilote de brousse, ça a été un des meilleurs qu'on ait jamais eu ici. Vraiment fantastique. Ça fait quelques années que je vole, ça fait plus de 47 ans, et ce genre de pilote, ça fait plaisir de les connaître et de les avoir comme amis. Tu vois. C'est extraordinaire. Ça fait changer le bois dans la gorge, ça fait... Ouais. Ça module. Voilà sur le père Souski, tout ce que j'ai vu de lui, qui, jamais hors du cadre, toujours à rendre service, a été... Et c'est toujours un homme merveilleux. Voilà. Alors, je vous ramène le président. Il est juste là, par là. Non, mais il me connaît. Je le connais. Rodolphe. Ouais. Ça va bien? Merci pour la jolie fille. Ah, qu'elle vient vous chercher. Monsieur Souski. Ben, c'est un grand, grand honneur, monsieur Souski. Je me mets à l'ombre. Vous avez été le pionnier en matière d'aviation guyanaise. Et j'ai même beaucoup d'anecdotes avec Constant Clore, que vous avez fréquenté. Vous avez fréquenté au point où on a créé un mythe de Constant Clore parce que vous le déposiez sur le rive. Et il faisait croire qu'il était un homme volant. Et ainsi, il gagnait les suffrages des électeurs. Mais je l'ai fait élire. Voilà, ce qui est important, c'est que la Guyane, grâce à vous et M. Duménil à l'époque, pour les premiers désenclavements sur l'ensemble du territoire. L'aviation commence vraiment avec les bimoteurs, les choses comme celle-là. Exactement. Et c'est vous qui êtes pratiquement le pionnier. Il faut faire la procédure. Et moi, je ne sais pas la procédure, donc je n'ai pas le droit de voler. Non. Alors, je vais lutter jusqu'au bout contre la bureaucratie. Alors, à mon retour... J'espère que la région va vous rendre hommage un jour, très rapidement. Oui. Maintenant, c'est la CDG, alors, parce que vous avez joué un rôle déterminant dans l'aviation. Mon dernier vœu, c'est de les enterrer en haut des montagnes de Caux. Très important. En haut des montagnes de Caux. Voilà. Tu te rappelles lorsqu'on tu es avec l'avion, tu te mettais de travers pour qu'on passe entre les deux palmiers. Et quand j'étais Le ferai maintenant. Tu le feras maintenant.
Monsieur Bosky, vous vous rappelez de mon père à l'époque, les bœufs que vous embarquez autour de l'île pour les amener à la crique Gabriel. Mais bien sûr. Georges Prévost. La mienne. Ah, Mimi. T'as pas maigri. Ah là là. Tu vois, tu voulais pas de moi. Tu aurais pu avoir. En tout cas, allez, marchez bien. Marchez bien. Merci. Je vis. Alors, Roland de Saint-Georges avec Guylaine, Sergine. C'est moi, c'est Roland. Ah oui. Tu te rappelles lorsqu'on montait à 6 dans ton avion alors que ça prenait 4 hein? D'accord. Donc, voilà. Cayenne Saint-Georges, hein, c'était la folie avec toi. Je vais continuer. Tu vas continuer? D'accord. Allez, marche bien. Je t'embrasse. Bien. Allez. Vous êtes jaloux là. Hein? Oui, ah. Mais comme moi je suis jaloux, je veux le bisou aussi. Merci pour la Guyane. À très bientôt. Très bien. Oui. Et laisse des écrits sur tout ce que tu sais. Oh, j'ai fait des centaines de pages manuscrits. Et j'ai fait un livre après la fin. Ils sont où? Il y a longtemps. Eh bien, je ne sais pas. Deuxième qui s'appelle Vol Urubu. Voilà. François, tu te souviens, tu me l'avais donné ton livre que tu avais écrit. Je te l'ai ramené, tu sais pourquoi? Parce que je l'ai lu, mais tu ne me l'as pas dédicacé. Alors je voudrais que tu m'écrives un message. Voilà, alors, ici, c'est ma gueule. Je la vois, je la connais très bien cette photo. Ça, Montagne Suski, et en contre-jour, sur la vitre de l'avion latéral, tu as ton profil qui est affiché. J'espère que ça s'écrit comme ça. C'est pas grave, les noms s'écrivent comme on les prononce. Merci. Alors, à Thierry, qui a lu ce truc et qui a résisté à la folie passant, ainsi le texte. Donc, voilà le diplôme. Merci, cher maître. J'ai signé Ixus, vous transcrivez en entier. Ça veut dire Suski à l'envers. C'est avec le Kilo Québec qu'on va voler, non? On va voler avec le Kilo Québec, c'est celui de Ghislaine. Allez, je t'ouvre la porte. Mais je vois la peine. Vous avez vu, les instruments coûtaient aussi cher que l'avion. Alors, c'est fait pour les polytechniciens, pas pour moi. Bon, on y va? On y va. Bonjour, Chambaud. Bonjour. Mise en route. Autorisation pour les vols. Oui, d'accord. Mise en route, mais c'est quel avion? Et c'est bien toi, François? T'as pas besoin de demander qui c'est, non? Mon accent inimitable. Vous êtes nouveau? 212, Kilo Québec. Mise en route en premier pour la piste 08, très bonne météo avec un vent de 0,92 nœuds et bonne balade Suski.
On y va pas. Un petit peu, allez. François, c'était comment le vol ? Bon, des chevaux, il y a trop d'instruments. Je ne regarde jamais les instruments. Tu voles avec la chaussure ? Exact. Avec la chaussure comme horizon. C'est fini l'aviation de papa. Les voler aux fesses. Alors il apprenait à voler avec les ordinateurs. Aujourd'hui, on peut dire que François Suski, c'est l'homme d'histoire de la Guyane sur ses 60 dernières années. C'est pas le plus connu, il s'est jamais mis en avant, il a pas réclamé de distinction, pas d'honneur, pas de médaille, mais c'est celui qui a fait le plus pour les Guyanais sans rien demander. Le jour où François fera son dernier vol, lorsque l'émotion sera passée, il n'y aura pas de tristesse, ça sera quand même de la joie. Et ce que je penserai ou ce que je dirais, ce sera bravo François. Et je lui dirai marche bien. Marche bien François.